Lucien qui va reprendre. Turcotte, il va d'une petite passe en direction de Turcotte, en zone centrale. Attention, sa passe est interceptée par Véro. Véro s'amène. Ça passe rate derrière, ça revient devant. Attention, arrête coup de ça, un retour et le but. Véro qui marque dès le départ pour donner les devants 1-0 aux Olympiques de Gatineau. Alors qu'il y avait confusion là, chez les défenseurs des Huskies, cafouillage dès le départ. Certainement pas ce qu'on souhaitait pour débuter le match. Non, une bévue qui était arrêtée par Thomas Couture, puis Antonin Véro était ensuite complètement seul dans l'enclave. Il est allé d'un tir parfait du revers sur le retour de Zachary Dean. Les Olympiques qui marquent avec 25 secondes. Et là, Couture qui va reprendre dans son territoire. On y va d'une passe chez les Huskies là, qui se retrouve dans le territoire des Olympiques. Attention, ça revient devant. Le Pena qui sort le tir et le bloc. Oh! C'est Béliveau qui est venu empêcher un but. Là, la rondelle qui était derrière le gardien de but, la Pena. Voilà, la rondelle devant. Tir de Rousseau, c'est bloqué par la Pena. Belle séquence d'affichage en série éliminatoire. Il est prêt, mais il en doit une à Isaac Béliveau là-dessus, là, qui a vraiment... La rondelle s'en allait dans le filet. Oui, qui a vraiment fait un jeu spectaculaire. Luneau qui va reprendre là, chez les Olympiques, va réorganiser l'attaque avec 44 secondes à faire à l'avantage numérique des Olympiques. Luneau s'amène avec de la vitesse. Attention, il réussit à déjouer deux défenseurs des Huskies. Il se retrouve seul et marque. Luneau qui s'est débarrassé des deux défenseurs des Huskies est allé marquer. Les Olympiques prennent les devants 2-0. Et Tristan Luneau n'est pas un deuxième but là. Digne certainement des jeux de la semaine, celui-là, il n'y a aucun doute. Axel Dufresne qui a été la dernière victime de Tristan Luneau. Et là, c'est 2-0. Les enjeux qui est remporté par Turcotte. Buteau qui va être le premier à saisir, va tenter un dégagement. C'est intercepté toutefois par Luneau, mais qui, attention, beau jeu de Turcotte qui s'échappe. Turcotte est seul. C'est le but! Anthony Turcotte qui marque à 3 contre 5 pour les Huskies. C'est 2-1 le pointage. Quel but important, Jean-Sébastien! Qui d'autre qu'Anthony Turcotte pour venir marquer ce premier but dans cette série? Et là, il n'y avait pas un joueur en moins du côté des Huskies. Il y en avait deux de moins. À 3 contre 5, Anthony Turcotte ne rate pas une telle occasion. Il s'amène seul devant la Pena, prend un bon lancer du poignet qu'il déjoue côté du bloqueur. Et les Huskies qui viennent de revivre, là, on les sentait là, en difficulté depuis le début du match, mais là... Aux mains de Kidney. Kidney, son dégagement haut qui est réussi jusqu'en zone centrale, il reprend lui-même. Kidney s'amène à 2 contre 1, passe à Gendron qui tire, bel arrêt de Couture. Attention, ça revient devant, Couture qui bloque à nouveau, tir de Nadeau cette fois. Défenseur des Huskies, Lemire là, qui réussit à remettre à gauche. Alors qu'on est à mettre jusqu'au gardien de but la pénale, le premier là sera Pilote. Fontaine là, qui tente de reprendre. Finalement, c'est Béliveau qui va le faire. La pénalité qui se termine à l'instant là, chez les Olympiques de Gatineau. Béliveau, il va d'une longue passe en direction de Nadeau. Nadeau s'amène. Attention, 2 contre 1. Il y a de l'espace de l'autre côté. La passe tour devant et le but. C'était plutôt un 3 contre 1 à ce qu'on a vu, alors qu'on a été très patient chez les Olympiques de Gatineau pour remettre à Véro, qui marque ce troisième but chez les Olympiques de Gatineau. Et un tic-tac-toe du côté des Olympiques. Là. Olivier Nadeau qui a fait devant une cage béante, un jeu parfait du côté des Olympiques de Gatineau. Et ce qui est dommage là-dessus, c'est que les Huskies avaient le momentum, avaient une chance en 5 contre 3. Finalement, on n'a pas marqué de but durant ce long avantage numérique. Et là, tout le talent des Olympiques qui ressort sur cette séquence avec un jeu parfait. Il est en mesure de remettre à Houilleux qui était seul devant. Le long passe jusqu'au gardien de but Couture qui remet finalement son défenseur Cournoyer alors que Ratt mettait de la pression. Oh, d'ailleurs, Ratt qui soutire le disque à Cournoyer. Réussit à remettre à Véro qui revient devant. Oh, bel arrêt de Couture qui sauve les meubles là-dessus. Quel cafouillage encore une fois dans notre territoire. C'est ce qu'on mentionne souvent, Jean-Sébastien. Les Huskies réussissent. On a du bon travail, on a du bon jeu, mais on fait des erreurs comme celle-ci qu'on ne peut pas faire contre une équipe comme les Olympiques de Gatineau. On est chanceux que ce ne soit pas 4-1 là-dessus. Ouais. Là, Antonin Véro un peu plus qui aurait pu se faire lancer quelques casquettes. Je ne sais pas s'il y a quelques partisans des Olympiques qui sont ici qui ont fait... Seconde affaire à l'avantage numérique. On s'amène à gauche du côté des Olympiques. Remet devant, on est seul. Oh, bel arrêt de Couture! Alors qu'on a laissé complètement seul devant le filet Véro à nouveau, là. Et là, là-dessus, Godet et Cournoyer qui se sont compromis en entrée de territoire. Ils ont fermé à deux le porteur du disque qui a réussi à rejoindre Antonin Véro qui était seul devant Thomas Couture qui s'est dressé. Il va envoyer ça à Luneau. Luneau qui passe de l'autre côté, ça dévie, ça rate le filet. Il reste 5 secondes à l'avantage numérique des Olympiques. Kidney va envoyer à Nadeau. Retourne à Kidney à la ligne bleue qui va d'une passe à Dean. Dean retourne derrière à Gendron qui tire et le but. Oh, Gendron qui est en mesure là, de surprendre Couture à sa gauche alors que l'avantage numérique se terminait au même moment, 4-1 pour les Olympiques de Gatineau.
Oui, et Alexis Gendron, choix de 7e ronde des Flyers de Philadelphie. C'est son 12e en séries éliminatoires. Ça va prendre de plus. Il avait très peu d'angle là-dessus. Il a décoché un tir parfait dans la partie supérieure, alors que l'avantage numérique venait tout juste de se terminer. Donc le petit numéro 72 des Olympiques qui continue sa saison de rêve, là. Lui qui a marqué plus de 50 buts cette saison, Jean-Marc. Teoski, c'est Dean qui va remporter la mise en jeu. Ça se retrouve à la ligne bleue. Là, c'est Cormier qui va prendre un tir, qui rate, c'est bloqué par Godet. Toutefois, ça revient devant à Dean à nouveau qui marque. 5-1 pour les Olympiques de Gatineau. Et là, je pense que celui-là va faire extrêmement mal, là, Zach Dean, qui continue sa soirée de travail. Un lancer qui, à prime abord, a été bloqué par Émeric Godet. Et puis, par la suite, Cormier qui a réussi à remettre à Dean, qui se retrouvait seul en enclave. Et là, on va amener Kyle Hagan. On va donner un peu de repos à Thomas Couture, qui ne peut pas vraiment s'en vouloir ce soir, là, Jean-Marc, honnêtement. Là, ça vient... Thomas Couture qui n'est pas content, d'ailleurs. Plus de 20 ans, pas envie nécessairement de faire sortir de cette façon-là. Mais là... C'est pas été le tir le plus dangereux non plus de Zach Dean là-dessus. Là. On aurait peut-être aimé l'arrêter, justement, là, mais ça va pas bien pour les Huskies en deuxième période. Ah, mais effectivement, bien que c'est Appleton qui est mis en échec, c'est Allard qui va reprendre, va remettre à Burrush. Burrush a de l'espace. Burrush tente une feinte, revient devant, le but! Burrush qui a remis directement devant, je crois que c'est... Il est manqué, je crois que c'est Verdon là, qui est en mesure de saisir, oui, effectivement, pour envoyer la rondelle derrière le filet. Très beau jeu de Burrush alors que Verdon s'est fait offrir un but sur un plateau d'argent. Oui, et là, Thomas Verdon qui va... On venait de retirer Thomas Couture pour amener Kyle Hagan. Ça redonne un peu d'espoir au Husky, là, des ailes un peu. Et là, Thomas Verdon qui marque un but quand même un peu chanceux. Là, une rondelle qui a dévié, là, qui est arrivée directement sur son bâton. Oui, c'est une très belle passe de Burrush tout de même, là, directement. Ça a été dévié sur la... Cournoyer, belle passe à Dufresne. Dufresne maintenant qui va tenter de remettre de l'autre côté. Ça a dévié, ça va forcer la peine à sortir de son territoire. Turcotte remet devant et le but! Belle pression d'Anthony Turcotte qui permet au Husky de se rapprocher au pointage. 5-3 Gatineau. Gros but en fin de deuxième et la peine qui était en dehors de la zone permise pour pouvoir jouer la rondelle. Et là, ce qui a permis la rondelle devant le filet, elle frappe Isaac Béliveau. Et Billy Vaughn qui marque dans son propre filet alors que Lapena, je pense, semblait plaider à l'officiel. J'ai touché à la rondelle dans la zone non permise. Donnez-moi deux minutes, enlevez le but. Et Lapena, il est dans le fond, puis il pointe. Il dit aux... présenter le but ici. Pour le numéro 15, Anthony Turcotte. Avec l'aide du numéro 8, Axel Dufresne. Et du numéro 29, Édouard Cournoyer. Alors que pendant qu'on annonçait le but, les Olympiques de Gatineau viennent de marquer le but qui risque de faire mal. Un tir tire la tête de l'eau. Les Olympiques en rajoutent. Et vraiment, c'est un très bon lancer frappé. Le 21, je pense, c'est Marcel. Lui a remis à Kidney qui se retrouvait seul. A comme perdu un peu. C'est Dupognet qui est venu tromper la vigilance de Kyle Hagan du côté de la mitaine. Là. Et les Olympiques qui viennent d'éliminer toute chance au Husky de revenir dans cette rencontre. Là. Cette fois, c'est définitif, là, Jean-Marc. Là. Je ne crois plus aux licornes, ça fait longtemps là, à cette fois. Là.